Et puis, je ne la ramène pas. Je dis, Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Le péché mortel, c'est le contre-accident dont je vous ai parlé. Mais un contre-accident beaucoup plus grave que tous les autres, c'est celui où finalement, il n'y a plus de relation avec lui. Il n'y a plus de relation avec lui, pas à cause de lui, lui nous aime toujours. Hein. Il n'y a plus de relation avec lui à cause de moi, parce que, eh bien, je n'ose pas vivre sous le regard de Dieu. Et mon péché, quand il est trop lourd, quand il est trop énorme, quand la rupture d'alliance s'est consommée, fait que c'est terminé. Je ne veux plus en entendre parler parce que je suis moche. Et comme je suis incapable d'accepter que le Seigneur m'aime dans ma mocheté, dans ma faiblesse, dans ma fragilité, eh bien, je peux avoir des réactions du style... Ben, je m'excuse. On trouve toujours des excuses. Mais le bon Dieu, il n'a trouvé aucune excuse. La seule chose qu'il a dit à son Père, c'est « Père, pardonne-lui, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça, c'est une grande parole de Jésus sur la croix. Jésus veut nous enlever le fardeau des conséquences de nos ruptures d'alliance. Qui vont plus loin puisqu'on l'a mis sur la croix, puisqu'on l'a torturé, on l'a mis à mort. Alors, cette beauté de la création que je suis, le Seigneur la reprend en main, et cette rupture d'alliance, il va en profiter, la réponse de Dieu à ce projet d'amour qui a été cassé par la relation avec lui à cause de notre désordre intérieur, la réponse de Dieu c'est quoi? C'est son amour, sa miséricorde. Et c'est là qu'arrive le thème de cette journée. Dieu va révéler un sommet inouï quel est son amour pour nous. Il va dire, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est-à-dire que rien ne pourra tenir devant la qualité d'amour que j'aurai avec chacun et chacune. Le Seigneur nous dit, mais tu es pécheur, mais je suis venu pour les pécheurs, pas pour les bien portants. Tu es malade, mais je suis le médecin de ton âme. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en pleine santé. Je suis venu pour guérir ton âme. Là, le mot est dit, la guérison de l'âme, c'est-à-dire le rétablissement en nous de notre capacité de relation avec Dieu, avec les autres, comme c'est voulu à partir de notre baptême. Attention, est-ce que vous avez compris que je viens de dire quelque chose de grave ? Je viens de parler du baptême. Ce qui veut dire que parmi nous, il y en a qui ne sont pas baptisés peut-être, ou d'autres qui le seront. Et puis parmi les hommes, il y en a plein qui ne sont pas baptisés. Mais ceux qui sont baptisés, ils sont comme aux avant-postes de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, ils ont reçu par le baptême la capacité de développer en eux ce qu'on appelle leur organisme baptismal qui est fait d'une capacité de foi, d'espérance et de charité, une capacité de toucher Dieu par ses dons que sont la foi. La foi, c'est quelque chose qui dépasse ce que je peux comprendre, mon intelligence. Quand je pense à Dieu, je peux penser des belles choses à propos du Seigneur, mais ça ne me donne pas Dieu. Pour que je sois en contact avec Dieu, il me faut la foi. La foi me permet de toucher Dieu, d'atteindre Dieu, et Dieu réagit. Regardez le petit là qui touche sa petite maman là avec sa main là. Eh bien, la foi, c'est ça, c'est caresser le visage de notre Dieu, être en contact avec lui. Vous savez, la communauté Génézareth qui nous permet d'avoir le Père Nils et le Père Jean-Marie, quand ils se présentent, ils disent, eh bien, comme Jésus débarque à Génézareth, les gens disent, si seulement je touche la frange de son manteau, je serai sauvé. Vous voyez, la petite est en train de toucher le visage de sa maman, les oreilles de sa maman. C'est comme si nous, on disait, Seigneur, en te touchant, je veux recevoir, être réceptif de la vie qui est en toi. Et Dieu, c'est comme un soleil. Hein. Dieu n'est qu'amour. Un soleil, il ne peut pas donner de la glace sur la terre. Il ne peut que réchauffer, il ne peut qu'éclairer, d'une manière adaptée à notre nature humaine.
Eh bien, le bon Dieu, c'est cela. Alors, notre organisme baptismal, c'est la capacité que nous avons de vivre en enfant de lumière. Avec, par un acte de liberté posé par mes parents, un acte de liberté posé par mes parrains marraines, et plus tard, quand je suis adulte, quand je le confirme par ma profession de foi, par moi-même, ma capacité de vivre à la hauteur du projet de Dieu. Nous, on est toujours en train de ne pas croire jusqu'où peut aller notre alliance avec Dieu, notre relation avec le Père. Alors en fait, il faut que nous sachions que le désir de Dieu et que nous puissions lui permettre de donner sa mesure à lui, qui déborde de beaucoup ce que je peux imaginer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on pêche et qu'on a l'hérité du péché en soi, soit on se replie comme une huître, soit on s'ouvre. Si on s'ouvre et qu'on est dans cette disposition, Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur, Seigneur, donne-moi toujours l'absolution, Seigneur, prends-moi dans tes bras, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On repart du bon pied et nous avons une capacité nouvelle de voir les eaux, de voir le monde, mais à partir de Dieu qui m'aime tel que je suis et qui m'a pardonné. Le gros problème dans les foyers, quand j'écoute un petit peu ce qui se passe, et même entre parents et enfants, c'est que nous avons du mal à comprendre que le pardon, la réconciliation, nous rapproche les uns des autres. Alors que la division, alors que le manque d'unité intérieure, qui se traduit ensuite dans les relations avec les autres, nous fait prendre de la distance, eh bien le pardon, parce qu'on a une histoire entre nous, fait qu'on est encore plus proche après qu'avant. C'est extraordinaire de savoir ça. Donc la condition, c'est d'arrêter de vivre dans la méfiance de Dieu pour vivre dans une méfiance de soi-même en disant « c'est moi qui dois me méfier de moi-même ». Seigneur, ne permets pas que je tombe plus bas. Préserve-moi du péché mortel. Et en fait, savoir que le lien rompu, Dieu en est plus grand. Dieu est plus grand que les liens que j'ai rompus avec lui. Et puis, tendre vers l'objectif du rêve de Dieu pour moi. Le rêve de Dieu pour moi, c'est pas une réalisation, on va dire, sur le plan humain, terrestre, qui brillerait aux yeux des autres, parce que je réussis matériellement, parce que je réussis socialement, parce que... Non. Le rêve de Dieu pour moi, c'est que je puisse être tellement proche de Jésus que petit à petit, je ressemble à Jésus et que Jésus puisse en moi continuer de donner toute sa mesure de Dieu autour de moi et pour le monde. Et ça, ce rêve-là, je dois le découvrir peu à peu. Dieu a une pensée d'amour pour moi. Et il faut accepter que le Seigneur, par le sacrement de la réconciliation, reformate en moi complètement les choses. Vous savez, il y en a qui connaissent un petit peu les principes de l'ordinateur. De temps en temps, il y a ce qu'on appelle ça des bugs. Et puis de temps en temps, il faut tout reformater, il faut tout reprendre à zéro pour que tout soit disponible, que les logiciels se mettent en place et qu'ils soient efficaces. Eh bien, c'est une image que je vous donne bien pauvre. Mais ce reformage interne, le Seigneur le propose à chaque réconciliation. Quand je confesse quelqu'un et que je lui donne le pardon de Dieu, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que maintenant, tu retrouves la pureté, l'intégrité, la capacité d'amour de ton baptême, la sainteté de ton baptême? La personne me dit, mais c'est possible ça? Oui, c'est possible. Parce que quand Dieu pardonne, je veux dire une chose un petit peu humaine pour pouvoir faire comprendre cette réalité, Dieu est comme amnésique de mon péché. Dieu ne se souvient plus de mes fautes. Il les a mis au fond de la mer. J'aime bien le pasteur Thomas Roberts, dans les années 80, un pasteur merveilleux qui avait plein d'humour et qui disait, il a rajouté « pêche interdite ». Mais oui, Dieu, il sait bien que notre tendance, c'est de faire travailler la mémoire. Mais la mémoire, la nôtre, n'est pas celle de Dieu. La nôtre, elle est marquée par l'accusateur, par l'adversaire, qui voudrait bien retirer le reformatage interne, qui voudrait bien introduire un petit virus, un petit problème dans la manière de faire fonctionner l'intérieur de mon cœur. Et quelle va être sa ficelle? Ah, la ficelle! C'est regarde ce que tu as fait. Tu as reçu le pardon de Dieu, mais tu as quand même la même orientation, d'égoïsme,
d'orgueil, etc., de luxure, de prise de pouvoir, etc., d'avarice, etc. Incapacité de louer ton Créateur, de penser à lui avec amour, mais t'es bien le même qu'avant. Regarde donc comment t'es l'accusateur de nos frères. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va nous envoyer l'Esprit Saint, le défenseur. Il y a l'accusateur et il y a le défenseur. Et avec le défenseur, il va nous envoyer quelqu'un, il va nous donner quelqu'un qui est comme une sorte de lieu de refuge où quand l'accusation est trop forte, on se met vite à l'abri. Une sorte de bunker, vous savez, et puis là, on ne peut pas être agressé. Le bunker de Dieu, c'est le cœur immaculé de Marie. Marie, elle est l'avocate. Dit que l'Esprit Saint, il est le défenseur, l'avocat, celui qui prend notre défense. Eh bien, Marie, unie à l'Esprit Saint, elle est l'avocate. Pourquoi ? Parce que Marie était au pied de la croix et qu'elle nous a tous accueillis au pied de la croix en Saint Jean et qu'elle a pris la décision avec son Fils, décidément et pour toujours et pour chaque être en particulier, de dire à Dieu, Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Seule Marie pouvait à ce point dire cette prière avec son fils parce qu'elle sait la qualité d'amour que nous pouvons avoir avec Dieu.